stratégie d'emploi et de développement est très importante. Nous allons recruter des ingénieurs, nous allons recruter des experts, nous allons recruter des architectes, nous allons recruter des chefs de projet, nous allons recruter des managers. Vous l'avez compris, le panel de postes que nous allons offrir est très large. Et par ailleurs, ce n'est pas seulement du recrutement, c'est aussi, comme pour l'ensemble des entités du groupe Orange, des dispositifs de développement, de compétences. Et je sais que ce point vous est cher. Un élément important, c'est que si nous avons choisi et si nous savons que nous pouvons tenir notre promesse concernant le recrutement, ici en Tunisie, c'est parce que nous devons rendre hommage à la qualité de l'enseignement, à la qualité de la formation, à la qualité aussi de l'engagement des hommes et des femmes que nous avons actuellement dans nos équipes et qui, je sais, vont nous rejoindre très prochainement. L'économie numérique, la révolution digitale est un élément essentiel. Et sachez que Sofrecom accompagne d'ores et déjà nombre d'opérateurs, nombre de gouvernements dans cette évolution. Sachez, messieurs les ministres, sachez, messieurs les conseillers, que vous aurez à vos côtés une entreprise en groupe qui souhaite véritablement vous accompagner dans le développement de tout ce que l'on appelle l'e-gouvernement, l'IETS, l'e-éducation. Ce beau projet que le ministère de la Technologie, je suis certain, avec un excellent connaisseur du domaine, notre ami Normand Fay, avec quelqu'un de très engagé, je pense, et avec toute son équipe, va aller très loin, et que ces objectifs que nous annonçons de 50 000 recrutements, je pense que va se concrétiser. En tout cas, nous, en tant que ministère de la Formation professionnelle d'emploi, on va également soutenir, avec notre fonds d'emploi, nous allons soutenir les dimensions de formation qui est incluse dans ce projet, les financements également prévus. Donc je suis vraiment très heureux de ce lancement, que Orange continue à soutenir la Tunisie Sofrecom, que ce modèle justement de partenariat, d'amitié tuniso-français continue. Pour nous, c'est très important et j'espère qu'on va, dans les prochains jours, avec la visite que le président fera en France, j'espère que d'autres partenaires vont suivre l'exemple d'Orange Sofrecom et qu'on aura beaucoup de signatures dans les prochains jours et les prochaines semaines. وانتم تسمعوا بتغيير منوال التنمية، تغيير منوال التنمية، منوال تنمية جديد. منوال التنمية جديد يتلخص في كلمتين، الاقتصاد الرقمي. وباش نوصلوا للاقتصاد الرقمي، كيما وقت الاستقلال عممنا التعليم، توا مش نعموا الانترنت، توا مش نعموا الثقافة الرقمية. توا مش نعطيو لوليداتنا لي زوتي نيسيسير باش ينجمو يوصلوا. كما تعرفوا خدمنا منذ عدة توا هذه السنة الثالثة على تونس الرقمية 2018 بعجالة تونس الرقمية 2018 هو برنامج باش نخدموا به إن شاء الله من هنا لآخر 2018 80,000 موطن شغل وفيه 6 محاور. أحد المحاور هذه هو سمارت تونيزا تونس الذكية اللي تعتمد على القدرة والطاقة الخلاقة نتاع الشباب وخاصة الطاقة الخلاقة نتاع الشباب التونسي واليوم احنا ملمومين على خاطر هذه دليل كون الخيارات اللي عملناها خيارات صحيحة ورغم الفترة الصعيبة اللي العالم قاعد يشملها نشوفوا أصدقاء ودي بارتنير اللي يجيو ويحبوا يكملوا المشوار معنا. اليوم هذايا هام جدا لمستوى ثلاثه مستويات عندي انا. المستوى الاول كانوا فما عده مئات من التوانسه باش يخدموا. المستوى الثاني كانوا علاقتنا مع الاصدقاء في فرنسا شريك منذ مدة والشراكة ما زالت مش تكبر لأنه ثم عالم جديد باش ندخلوا له مع بعضنا والحاجة الثالثة كونه البرامج اللي تحطوها ما تقعدش تكبر على ورق بل ثم فيها طاقات تشغيلية.